Bon, hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, suite à la proposition de, ben pas la proposition, mais la publication. La publication de mon ami Francis. Malheureusement, il est pas disponible pour faire un live à deux, mais Robot fucking. Ok. Fait qu'on parle des robots, on parle des robots sexuels qui sont des modèles plaisir, là, pleasure model comme Daryl Hannah dans Blade Runner. Qui, ben là, pour les réplicants, là, ça devient assez convaincant. C'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, être en couple avec une réplicante ou avec un réplicant, et puis pas t'en rendre compte, à ce point-là. Ça, c'est en fait c'est les idées de Philip K. Dick. Pourquoi, mais il s'appelait comme ça. Puis il y a les visions que lui a eues, tu sais, puis ses idées de science-fiction, c'est. Je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on vit en ce moment, puis même depuis assez longtemps. Fait que finalement, bon, les robots sexuels. Bon, il y a eu les poupées gonflables. Bon, il y a eu aussi des poupées en tissu, qui étaient des accessoires sexuels, là, tu sais, il y a longtemps, ça existait. Je pense même à l'aube du 20e siècle. Là. Je pense, ouais, à l'aube du 20e siècle, il devait y avoir des trucs comme ça. Puis, quand l'industrie des plastiques est arrivée, puis les ballons gonflables, les poupées gonflables, let's go, probablement qu'il y a plein d'êtres humains, là, un peu déviants, là, qui ont décidé de soigner la poupée gonflable. Fait que la poupée gonflable, elle est comme en plastique. Fait que, en pleine canicule, là, ça chauffe, là, t'sais, ça colle. Fait qu'ils ont pas, ils dégagent pas de chaleur humaine. Et puis, c'est des accessoires sexuels qui sont inertes, complètement inertes. Là, ensuite, là, avec les vibrateurs, là, les dildos, là, c'est devenu une grosse affaire. En fait, ça a même joué un certain rôle dans l'émancipation de la femme. Puis j'ai même connu une femme superbe en plus là, de toute beauté. Son dildo, c'était comme après qu'on ait fait l'amour là, elle dit ok tu peux t'en aller tu sais. Puis là elle dit je préfère ça. Ah puis là je suis parti puis ben je suis pas revenu. Parvenu, je me suis dit, ok, amuse-toi avec ton objet, tu sais. Puis j'ai eu une discussion assez profonde, comme quoi il n'y a pas d'implication émotionnelle dans la masturbation, puis dans l'utilisation de godmiché. Donc, s'il n'y a pas d'implication émotionnelle, et puis que ton corps s'habitue, puis ta psyché s'habitue à vivre l'orgasme, sans implication émotionnelle, quand tu arrives avec un vrai partenaire de chair et d'os, tu sais, qui a de l'ocytocine, puis des hormones, puis de la testostérone, puis tu sais, en masse, là, tu sais, t'en veux-tu des hormones? Il y en a, là, tu sais, quand on vient pour faire l'acte, là, tu sais, là, tu sais, c'est pas pour rien que c'est tantrique ou vaudou, là, tu sais. Fait que, il y a toute cette dimension-là qui est énergétique, tu sais, puis qui est chimique aussi dans le cerveau, là. Fait que
de toute cette dimension-là qui est absente. Donc, ça fait que si tu t'habitues à vivre du plaisir sexuel avec un objet ou avec quelque chose qui n'a pas d'émotion, en fait, tu te masturbes avec tes propres émotions. Et puis, ça te déconnecte de l'humanité. T'sais. Donc, faut faire attention avec ça. Ben, je dis pas que c'est. Je pense que tout le monde se masturbe. Je pense que tout le monde s'est déjà masturbé. Je veux dire, celui-ci, que celui qui n'a pas péché me slappe sa graine dans la face. Ou son clitoris. Pourquoi pas? Fait que là, les robots, ils sont quand même rendus pas si pires. Il y a une compagnie en Espagne. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus sur les robots sexuels, tu sais, les poupées, puis ces bébelles-là. Puis l'intelligence artificielle qui vient avec ça, la robotisation, bref, c'est tout un champ d'expertise. Puis c'est aussi un domaine, c'est rendu un créneau économique là où justement la prostitution est pas vue de la même façon parce que c'est pas des personnes. C'est pas des êtres humains. Donc, violer un robot, ça doit être. La culture du viol serait acceptée si on viole des robots. Bon, après ça, là, c'est la question. Si tu prends l'habitude de violer des robots, là, comment, tu sais, t'es un violeur pareil. C'est que. C'est ça. Puis, la compagnie dont je parlais en Espagne, qui sont spécialisés dans ça, eux autres, ils font que des poupées ultra réalistes, là, tu sais, ils ont des textures latex, nanana, mais ils dégagent pas de chaleur, c'est ça le problème. Et puis, ça coûte des fortunes, ces bébelles-là, là, on a vu dans Lars and the Real Girl, Lars et la fille en boîte, je pense, l'amour en boîte. L'art, c'est l'amour en boîte. C'est qui? C'est Ken. C'est Ken qui se fait venir une poupée. C'est très drôle, en fait. Le fait que cet acteur-là ait fait... L'art, c'est l'amour en boîte, puis qu'il ait fait Ken dans Barbie. C'est le même acteur, là. C'est... Oui, on pense qu'il s'appelle. Parce que je m'en fous, là. Il a une belle gueule, mais c'est pas un bon acteur. Là. Bref. Bon, je voulais pas parler de cet acteur-là. Il y a Chéri 2000. Bon, Chéri 2000. C'est un vieux film des années 80. Je pense que c'est 84-85. Avec Melanie Griffith. Et puis, il y a un gars qui... il y a son robot, Chéri 2000, qui est un modèle domestique. Et puis, c'est comme... c'est la femme au foyer là par excellence. Là. Chérie, est-ce que tu as eu une belle journée aujourd'hui? Ah, j'ai préparé ton repas préféré. Puis là, l'autre, il arrive puis il l'embrasse. C'est comme si c'était sa femme, là, mais c'est un robot. Là. Et puis, là, il commence à la caresser puis à l'embrasser. Puis là, il couche avec. Puis nanana, puis elle perd. Elle tombe dans l'eau de vaisselle, puis les fils se touchent. Fait que c'est un espèce de modèle d'amour, finalement, la chérie de lui. Puis bon, le film, il est pas si bon, mais il est pas si mauvais en soi non plus, mais ça donne un peu les prémices de ce que les jouets sexuels du futur vont être. Puis. Ah ouais, puis c'est ça. Puis il y a je vais revenir encore à la compagnie espagnole. Ils font des enfants. Ils font des modèles enfants. Oui, ils font des modèles enfants. Ben oui, si tu veux un objet sexuel, mais tu veux que ça soit un enfant, bang, t'as différents modèles, tu sais. T'as des modèles 12 ans, des modèles 8 ans. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Il y a quelque chose qui... Something is going wrong. Les Japonais aussi sont forts là-dessus. Ils sont forts là-dessus sur les robots sexuels.
Puis finalement, ben, c'est comme, bon, il y a la pédophilie, c'est l'attraction aux enfants, la nécrophilie, c'est fourrer des morts, la zoophilie, c'est les animaux. Ben là, ça va être quoi, la cyberphilie ou la robophilie? Robophile. Moi, je suis robophile, je ne fornique qu'avec des robots. Là, faut-tu nettoyer ça, je pense que c'est pas. Il n'y a pas un système auto-nettoyant de ça. Je sais pas, les robots, ils ont-tu des vaginites? Ils ont-tu des. Ou ils ont-tu des condylomes? Parce que ça peut être un robot. Moi, tant qu'à ça. Ben, OK. Avant de parler de moi, je vais parler d'une situation hypothétique. Où est-ce que tu as un couple, un homme, une femme, qui sont ensemble, qui ont des enfants, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, leur vie sexuelle bas de l'aile, ça commence à être un petit peu plate, puis on cherche à s'amuser. Fait que bon, généralement, c'est les accessoires qui vont arriver en ligne de compte. Mais on imagine que cet accessoire-là en question soit un robot. Puis un robot, idéalement, pas androgyne, mais qui a les deux sexes, tu sais. Qui peut s'installer, tu sais, qui peut être mâle ou qui peut être femelle. Et puis là, le couple, ils font les trips à trois avec leur robot pendant un certain temps, tu sais, puis après ça, le gars dans la relation, il commence à avoir plus souvent des relations sexuelles avec le robot qu'avec sa partenaire. Puis là, l'autre, il dit, non, mais là, c'est parce que t'es tout le temps sur le robot, t'es tout le temps sur le robot, hein? Ouais, mais toi, t'es tout le temps sur le robot culinaire. Regarde, il y a d'autres choses à faire, non? Fait que là, en tout cas, là, je spécule, je dis n'importe quoi, je dis absolument n'importe quoi. Et puis là, le garçon, le fils, qui a 12 ans, tu sais, je veux dire, lui, il a bien compris que son appareil reproducteur fonctionnait. Et puis, il décide de s'amuser avec le robot, lui. Il décide de s'amuser avec le robot pendant que les parents sont pas là, tu sais. Qu'est-ce que ça fait comme société? T'sais? Ça fait une société où il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion hormonale, il n'y a pas d'échange d'oxytocine, il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est que de la mécanique, finalement. Mais c'est de la mécanique haute performance. Là. Tu dis, c'est pas des dildos cheap, c'est des dildos haute performance. Puis, probablement même que le robot, il dit « Ah, oh, yeah! Ah! Oh, oh, yeah! Oh, harder, harder! Ah! Oh, give it to me, baby! Oh, yeah! Ah! Oh! » Bon, okay. Là, je délire encore, là. Mais, idéalement, c'est ce qu'on veut pour avoir une espèce d'érotisation, là. En fait, il faudrait que ce soit des robots qui sont spécialisés dans l'érotisme. Vraiment, là, des spécialistes avec des intelligences artificielles à l'intérieur qui sont pleasure model only. C'est fait pour réconforter ben, le gars qui est seul chez eux, puis qui a pas de blonde, puis que. Tu sais, qui est out of date, là, tu sais, c'est un loser. C'est un loser. Fait qu'il va se taper un robot. Hein? Il y avait d'autres choses que je trouvais comiques aussi, c'était la vapoteuse, là, c'est quand tu vapotes, c'est comme si. Are you sucking a robot? Ok, ça va rapport, les vapoteuses. Mais. Donc, ces technologies-là, ben, allez voir sur Internet, c'est robots sexuels ou genre de trucs, là. Je sais pas, ce serait quoi le meilleur. Le meilleur prompt pour poser la question. Mais il y en a toutes sortes de trucs. Puis c'est très très louche. C'est très très louche. Puis ça va loin. Fait que finalement, même quelque chose qui pourrait être utilisé techniquement pour réhabiliter des pédophiles ou réhabiliter des violeurs,
ou des violeuses, parce qu'il y en a, il y a des femmes aussi, hein. Il y a des femmes. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de fonctionner, tu sais? Est-ce que c'est la meilleure façon de s'y prendre pour essayer d'enrayer la culture du viol? Ou est-ce que ça va empirer le problème? Mais moi, je pense que les gens ont déjà des dépendances aux technologies qui sont flagrantes. On voit les gens avec leur téléphone, on voit les gens avec leurs ordinateurs, on voit notre air climatisé, notre frigo, toutes nos bébelles qu'on n'avait pas besoin et qui n'existaient pas pendant des millénaires. On devient vite dépendant de ça. C'est vraiment une engeance, là. C'est vraiment un gros problème. Et puis, je pense que les robots sexuels, ça va devenir pas mal la même chose. Là, j'ai une amie qui travaille, moi, dans un sex shop. Et puis, je vais essayer de l'interviewer à propos de ça. Et puis, à propos des robots sexuels, là. Mais tu sais, quand tu payes 25 000$ pour un robot, c'est ça, c'est 25 000$ pour un robot sexuel, c'est le cash down d'une maison, tu sais, ben pour une première propriété à 100 000, mettons. Bon, ça n'existe pas des propriétés à 100 000, Antoine. Allô? Allô? Une propriété à 100 000. Allô? Ça n'existe pas, ça. En Louisiane, peut-être? Les bayous, tu vas avoir une cabane. Bon, ok, là je déraille, puis j'ai terminé. Voilà, c'était une capsule de crédibilité sur robots sexuels. Merci d'avoir été attentif.